Le défi Atlantis Télévision, en fait, c'est d'essayer de faire le premier tour du monde sur un voilier non habitable, pas de cabine, pas de protection. Donc, je suis parti en octobre 2013 de Sable-d'Olonne, et puis après une quinzaine d'escales, et puis trois océans quasiment parcourus, j'avais quasiment affronté deux moussons. J'avais eu des vents très contraires et très défavorables pour arriver ici au Sri Lanka. Je vais aller à Maldives, j'ai dévié mon parcours, et puis à la bord des côtes, ici juste à l'approche de Gaulle, et j'ai décidé d'aller me reposer. Et puis le réveil a été un peu violent, je me suis retrouvé dans les rouleaux, dans les vagues de surf de Mirissa, et là j'ai pas compris ce qui m'arrivait, le bateau s'est fracassé sur les cailloux, je me suis blessé, le dos en vrac. Et puis là j'ai cru que l'aventure s'arrêtait, donc ça a été un peu de désespoir à ce moment-là. Puis très vite je suis tombé sur Pierre Pringer, sur les gens de la BAF, sur toute cette belle énergie qu'il y a ici dans le sud de l'île. Et puis ils m'ont expliqué qu'ils allaient pouvoir repousser mon bateau, qu'ils allaient pouvoir me donner un coup de main pour repartir. Et là j'ai commencé à y croire, au projet. Je suis retourné en France, là aussi j'ai senti le soutien inconditionnel de mes partenaires et puis des contributeurs qui ont participé à notre campagne de crowdfunding autour de mon défi. Et puis là, le défi a repris son essor. Alors la BAF, en fait, elle s'est occupée surtout de réparer les morceaux de l'ancien bateau, et notamment les ailes qu'on voit de chaque côté du bateau, qui sont les espaces de vie sur lesquels je dors. Et c'est quand même très précieux parce que c'est, si ça casse, je tombe à l'eau. Donc c'est ma vie en fait qui est en jeu, hein, sur ces ailes-là. Et donc j'ai eu confiance justement en l'équipe de Pierre Pringer pour faire réparer ses ailes, et j'avoue avoir été surpris là, quand je suis revenu ici au mois de février. C'était parfaitement bien fait, ils ont vraiment la maîtrise de la technologie du composite, du high-tech, de la fusion. Et voilà, donc c'était pour moi irréprochable. Et je pense que c'est vraiment les conditions étaient réunies ici au Sri Lanka pour que je puisse repartir. Parce que clairement, je me serais échoué aux Maldives ou ailleurs. Je pense que ça n'aura pas été possible.